La déprime et la dépression sont deux termes aussi qu'on utilise et qu'on entend souvent. La déprime, c'est un état de lassitude et de tristesse qui est temporaire et qui finalement n'a rien de pathologique. On peut tous passer par un moment de déprime. La dépression, par contre, c'est un trouble qui va se caractériser par une humeur dépressive, hein, une sensation de tristesse profonde, de mélancolie et une perte de plaisir dans toutes les activités quotidiennes. Il y a aussi certains symptômes dits comportementaux et cognitifs, hein, donc on va avoir des changements de comportement et la personne ne va plus réussir à maintenir un fonctionnement normal, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours. On est donc sur un trouble qui d'ailleurs, le trouble dépressif peut être aigu, hein, dans un moment de sa vie, on va faire une dépression, voire chronique, et là on va dire qu'on souffre d'un trouble dépressif chronique et c'est une maladie.